monde, c'était Sismaker. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous dire que Facebook délire. Donc regardez ce qui est écrit. Vous partez déjà, ne ratez plus rien. Là, il y a des petits points. Là, il y a écrit virus. Et là, il y a marqué c'est payant et je t'arnaque. Enfin, je comprends rien de ce qui se passe. Non, en fait, je rigole. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, c'est tout simplement immaniable. Là, je suis sur le site de Facebook. Si je réactualise la page, ça se remettra comme avant. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Tout simplement, si vous pouvez faire des blagues, je suis sûr que vous l'avez cru. Hein. Et donc, si vous pouvez faire des blagues à vos amis ou des choses comme ça, ben, vous pouvez. Donc, c'est très simple. On peut même le faire sur Google et tout. Bon, je vous montrerai ça après. Donc là, par exemple, si je veux changer le texte, par contre, je préfère vous prévenir que les textes en images comme ça, là, on peut pas les changer. On peut juste changer les trucs comme ça, vous voyez, tout ce qui est en surbrillance, d'accord? Mais sinon, le reste, on peut pas, d'accord? Tout ce qui est en surbrillance, on peut. Donc, par exemple, si je veux changer ce texte, inscription, je change, par exemple, ça, inscription. Je vais faire clic droit, examiner l'élément. Donc, c'est aussi possible à faire sur Google Chrome. Sauf que c'est pas inspecter l'élément, je crois que c'est inspecter l'élément d'ailleurs. On fait clic droit et puis ce sera pareil. Donc, là vous cliquez sur la flèche, là il y aura le texte qui sera tout simplement ici. On double-clique sur le texte et là on peut le changer. Donc là, on double-clique dessus, puis après on efface et on met ce qu'on veut. Soit on met virus, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Virus. On peut mettre même un gros mot, mais je vais pas le mettre pour le tutoriel. Hein. Voilà. Par exemple, virus. Et là, ensuite, c'est gratuit, ça le restera toujours. On peut le changer aussi. On fait pareil. On fait une surbrillance. Examiner l'élément. Là, on va sur la flèche. Et ici, c'est gratuit, ça le restera toujours. On peut mettre. Et ça le restera pas. Jamais, on va dire. Non, je vais pas mettre avec. Non. Et même faire des fautes d'orthographe, vous pouvez. Ouais, là, vous pouvez par exemple faire, c'est gratuit. Et ça le restera. Par exemple, si vous le faites au collège, cette farce, d'accord? Si vous le faites au collège, tout simplement, bah, vos professeurs vont se dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Parce que, voilà. Et là aussi, vous pouvez tout changer. Soit vous pouvez d'ailleurs tout effacer. Par exemple, si je fais clic droit sur le texte de utiliser Facebook mobile et tout, vous faites examiner l'élément. Et vous allez dans la flèche ici. Et là, hop, on peut tout effacer. Et pourquoi ça m'a pas effacé le... Bon, c'est pas grave. Il y a eu un petit bug, apparemment. Donc voilà, vous voyez, j'ai effacé le texte qu'il y avait en dessous. Apparemment, le texte qu'il y a sur le bouton ici n'est pas modifiable. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai changé tout ça. On peut même changer normalement ces trucs ici. Donc examiner l'élément. Hop. Ouais, c'est bon, on peut le changer aussi. On va mettre vraiment n'importe quoi. Voilà, donc si quelqu'un tombe sur ce site, il va se dire qu'il y a un virus. C'est forcé qu'il y a un virus, puisque vous voyez, c'est vraiment vrai en plus. Ça a l'air d'être vrai. Par contre, si on réactualise la page, ça va partir, tout simplement. Voilà, donc ça part, c'est ça qui est dommage. Alors maintenant, comment on fait sur Google? C'est la même chose. Si on va sur google.fr, c'est exactement pareil. Par exemple, ici, vous voyez France, ça on peut le modifier. Vous faites clic droit, examiner l'élément. Là, vous allez sur la flèche. Oh, vous double-cliquez sur France et là, vous pouvez mettre Espagne. Tout simplement. Ou même le pays qui a été inventé par Michael Youn, Taboulistan. Je sais pas si j'écris bien. Voilà, Taboulistan. Donc si quelqu'un tombe sur ça, je crois qu'il va être assez étonné. Hein. Et puis voilà. Donc voilà, c'était une petite astuce. J'espère que vous avez été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne. Hein, et à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Puis voilà. Allez, ciao les gens. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que vous n'êtes pas parti. Voilà, parce que c'était une petite blague, hein. Je ne pars pas. Donc là, je vais répondre. C'est la mini FAQ, tout simplement. Il y en a toujours une. Voilà, donc là, je vais répondre. Alors, la première question, c'est Fulgi, GFX, tuto, FPS. Alors,
FAQ, quelle est ta version de Windows, car j'ai Windows 8 et dans personnaliser, j'ai pas toutes les choses que tu as. Question de temps dans personnaliser, parce que je suis sur en même temps j'ai installé des thèmes, parce que je suis sur Windows 8 professionnel et je ne suis pas sur Windows 8.1, d'accord, mais c'est parce qu'en fait j'ai installé des thèmes. Attends, alors si c'est là que tu parles, c'est des thèmes que j'ai installés, tout simplement. Après, les thèmes que j'ai installés avec des logiciels et tout. Enfin, des sites, hein. J'ai fait des tutos en plus dessus. Et puis là, aussi, j'ai installé des thèmes ici. Et là, j'ai vraiment installé pas mal de thèmes là. D'accord ? Mes thèmes. Voilà, si c'est ça que tu parles. Tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, il y a DJ Antoine 95 Minecraft Fun Let's Play. Alors, FAQ, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Alors, très bonne question, hein. Alors, tout simplement, c'est les autres internautes comme Xiaomi OTV, Xiaomi OTMEC, Tomek avant, et c'est lui qui m'a le plus, enfin, du moins, à force de regarder ses vidéos, après, j'ai voulu, ben, moi, faire des tutoriels, et puis voilà, tout simplement. C'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube, parce que ça me plaît d'aider les gens, en fait. Tout simplement. Alors, pour ceux qui vont dire que c'est pour l'argent et tout, ben je les emmerde. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Puis voilà, faut pas faire attention aux gens comme ça. Parce que j'ai reçu pas mal de messages comme ça sur Facebook. Que j'ai effacé. Voilà, donc voilà, pour répondre à ta question. Alors, pour ceux qui m'ont posé d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les autres vidéos. Dans les autres commentaires, par exemple dans cette vidéo, parce que comme ça je pourrais y répondre, parce que comme je dis, je mets que deux questions, c'est pour ça que ça s'appelle mini FAQ, parce que tout simplement c'est que deux questions, tout simplement. Voilà, bon, allez, maintenant je vous dis vraiment ciao et à la prochaine vidéo les gens.